Je commencerai par Son Excellence le Général Pakravan, qui est ambassadeur de l'Iran à Paris, l'Iran étant, vous le savez, l'un des pays producteurs de pétrole parmi les plus importants. Avec nous également M. Nicolas Sarkis, qui est venu. M. Pakravan voudrait intervenir. Je rappelle que M. Pakravan, que vous êtes ambassadeur de l'Iran à Paris et qu'à ce titre, vous pouvez parler de votre pays et de ce qui s'y passe, qui est un producteur de pétrole. Je ne vais pas parler seulement pour mon pays, mais pour tous les pays producteurs. Et je suis très heureux de l'occasion qui m'est donnée de présenter le point de vue des pays producteurs qui sont tous des pays en voie de développement. Je crois que ce que je vais dire va tout à fait changer le sujet. Je crois que c'est une bonne occasion. Il convient que le public français puisse se rendre compte de ce que représente pour nous le pétrole. Ce que je vais dire va être très différent. Il y a trois quarts de siècle, à peu près, c'est le début du XXe siècle, que le pétrole, par suite des progrès de la technologie, progrès qui sont entièrement dus au monde occidental, est devenu une source, la source principale d'énergie. Il y avait deux pays, les États-Unis et la Russie, qui avaient des gisements de pétrole à l'intérieur de leur territoire. Leur cas était exceptionnel. Les nations industrielles de l'Occident, à la recherche de cette matière première, en ont trouvé d'abord au Moyen-Orient, une région dont les pays étaient tous très arriérés, matériellement et intellectuellement, et qui, politiquement, étaient beaucoup trop faibles pour défendre leurs intérêts. Des intérêts qu'ils ne pouvaient même pas concevoir à l'époque. Il en est résulté une exploitation impitoyable, implacable, sans merci, qui a duré plusieurs décennies. Cette exploitation a duré jusqu'au moment où le déclin de l'impérialisme ou la décolonisation, le changement de structure politique du monde, a changé les conditions. Je voudrais dire ici ce que représente le pétrole pour les pays producteurs, des pays en voie de développement. Je viens d'entendre de très belles analyses des prix pour le consommateur. Je voudrais tout de même essayer d'exposer au public français ce qu'est ce prix pour ces pays. J'ai dit que c'était des pays en voie de développement, c'est-à-dire des pays qui, encore il y a quelques années, étaient arriérés, dont l'infrastructure matérielle était primitive, dont le niveau de vie était très bas. Il faut se rendre compte que ces pays, en ce moment, font un effort pour se développer, pour rattraper leur retard matériel et intellectuel. La possibilité pour ce développement, c'est justement le pétrole. Le pétrole est une ressource qui s'épuise très rapidement. Ce sont les rentrées dues au pétrole, les rentrées en devises particulièrement, qui permettront à ces pays de se développer. Je reviens sur l'analyse des prix qui a été faite. Je rappellerai qu'il y a encore 3 ans, un baril de pétrole qui était vendu en moyenne à 14 dollars dans les pays occidentaux nous rapportait à nous 1 dollar. Je ne vais pas entrer encore une fois dans l'analyse des prix. Il faut admettre tout de même que là, il y a quelque chose qui paraît un peu aberrant. Lorsque, il y a 2 ans, à la suite de la conférence des pays de l'OPEC à Caracas, une résolution a été passée demandant un ajustement des prix, il y a eu un tollé. Vous vous souvenez sans doute tous du déroulement dramatique de cette conférence avec le bruit qui a été fait dans la presse mondiale. On
considérait que les pays producteurs se livraient à un marchandage inadmissible en utilisant une position de force qui était due à la solidarité qu'ils avaient réalisée entre eux. On oublie que c'était pour nous une question absolument vitale. C'était une question non pas de prix, non pas de facteurs économiques, c'était le destin de nos peuples qui était en jeu. C'était un grand espoir qui venait de surgir. Je sais que tout ceci peut paraître un peu romantique. Je sais que les sociétés pétrolières, je sais que les pays consommateurs ont aussi leurs exigences qui sont légitimes. Je sais que si le pétrole en ce moment est devenu une extraordinaire richesse, c'est à cause du génie de l'Europe. Je l'admets. Seulement, il faut penser que le pétrole, pour beaucoup de pays dont les nations ont été déshéritées depuis très longtemps, le pétrole, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. Il faut penser à cela aussi. Je le répète, il y a encore 2 ans, pour un baril de pétrole vendu à 14 dollars, nous en touchions 1 dollar. Monsieur l'ambassadeur, vous permettrez certainement aux représentants des sociétés pétrolières ici de vous répondre. Rendez-vous donc mercredi prochain. Bonne fin de soirée.